Je m'appelle Shaky Art, donc je suis un artiste plasticien. Aujourd'hui, on est en activité avec la semaine des sciences, la semaine africaine des sciences. Donc je suis en atelier avec les enfants pour les apprendre à dessiner, à peindre. Je m'appelle Dior Sam, je fais la classe de CM2. Je faisais un atelier de peinture. J'ai bien aimé parce que j'ai dessiné une case avec des maçons. J'aime bien la peinture. Salam alaikum, je suis Tundu Pap. Je travaille ici à l'atelier Colombien, association Colombien. L'association est ce que je veux dire. Je suis en soumis ak ay 13h21 xalé yi tamit dañuy liggéey ak ñom comme ci semaine bi ni gis nga comme ñi ni dañ leen di wan juste que nan la xalé bi mëna communiquer ak muma bi lool mo tax jog association bi ndax tay yi amna xalé bo xamné mëna wax ak nit valide mais mënul wax ak soumier mais soumier bi tank mu ngi gis xalé bu mën di wax ak mom da kay gëna may courage ci aduna mom gaay boole nañ ko ci lool moko taxa jox motax parfois bu xalé yi ñëwé di def activité ak ñun dañuy jël soumier yi boole leen ak ñom ñom dañuy lire sen lèvres yi pour mëna comprendre lu xalé bi bëgg ñu jappalé ko ci lool ndax ñom ñun non lañ leen formé. Bonjour, je m'appelle Mam Diarra Ramé, je suis la classe de 6e à l'école La Forêt, j'ai l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, on est venu pour vous présenter un atelier qu'on est en train de faire, la poterie. Pour faire la poterie, on a besoin de quelques objets, peut-être liquides ou solides. On a besoin de ça, comme une genre de pierre. On doit la transformer en poudre. Après, on va mettre de l'eau, on va mélanger. Ça va être comme ça. Après d'avoir fait ça, on va faire des objets, des puits, des cases, des baobabs. Ça va former un village. Et je suis très contente d'être ici et de faire la poterie.